La police arrête la personne soupçonnée de violer l'intimité de Clémentine, mais Charlie sème le doute en apportant la preuve qu'il existe un autre coupable. Clémentine comprend très vite que cette affaire n'est pas terminée lorsqu'elle découvre, chez elle, la preuve sanglante que le harceleur qui la traque est toujours dans son périmètre. Si sa romance avec Victor se poursuit en toute discrétion, Lou commence sérieusement à se douter de quelque chose et cherche des réponses qu'elle finit par trouver. Depuis que Victoire sait qu'elle est la fille de Sandrine et non sa sœur, elle décide de rompre avec ses souvenirs d'enfance. Arthur, qui ne supporte plus les tensions avec Gabriel, intègre la coloc avec Victoire et Georges. Christophe ouvre le testament de Philippe, qui réserve une nouvelle surprise au Lazari. Chloé veut devenir maman, le désir de maternité grandit chez Chloé. Elle en parle à sa mère, mais Marianne ne lui apporte pas le soutien espéré. En attendant, elle comble son désir en pouponnant César que Margot et Kylian lui ont confié temporairement. Tristan, lui, tente d'apaiser les tensions entre Justine et sa mère en désaccord sur l'avenir de Colin. Love just happened.